Bien, nous allons réaliser la trappe ici qui viendra cacher le logement de la cuve. Alors, on la positionne dans un premier temps à l'envers. On repère par deux petits traits la largeur intérieure du fuselage et on va coller. Donc ce bout de balsa de 4 mm qui est prévu dans le kit, comme ceci, hop, en respectant les traits que nous avons, les repères que nous avons tracés précédemment. Deux pinces pour maintenir durant la prise de la colle et on vient en mettre un deuxième qui va permettre de renforcer la trappe en lui apportant une meilleure rigidité dans ce sens-ci. Alors, au jugé, voilà, on la centre. Le même écart de chaque côté. De pince et voilà, donc il nous reste à positionner ici donc le lot de trois petites pièces en contreplaqué que j'ai préassemblé et qui vont nous permettre de mettre en place par la suite la vis qui viendra bloquer en position cette trappe sur le fuselage. Colle. Hop. Et voilà. Donc, voilà. Deux épingles. Et voilà. Et avec notre vis, un quart de tour. Hop. Et la trappe est maintenue en position. Donc pour accéder à la cuve, très rapidement, sans être obligé de dévisser complètement. La vis, on accède au logement pour la cuve et la vis, on ne la perd pas puisqu'elle reste en place sur la trappe.